24 ans, j'ai eu 24 ans, le 22 décembre exactement, je suis au bout de ma vie, j'ai... Non, c'est trop, moi j'accepte pas. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont souhaité bon anniversaire, ça m'a fait super plaisir, j'ai reçu tous vos messages, j'ai pas pu répondre à tout le monde, il y en a eu tellement. J'espère en tout cas que vous passez de bonnes fêtes. Là il reste le nouvel an là, dites-moi en commentaire vous allez faire quoi, tiens, ça va peut-être me donner des idées. La vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est sur l'amour au début vs à la fin. Donc c'est une vidéo en fait que j'avais écrite sur mon téléphone, sur Note. Donc il y a plein de vidéos que j'écris et que j'ai pas eu forcément le temps de tourner ou quoi. Il est resté cette vidéo, donc je me suis dit, je tourne tout ce que j'ai à tourner en 2018, comme ça après en 2019 je repars sur de nouvelles vidéos, des nouveaux bails, t'as capté. Ah oui, je voulais m'excuser aussi pour le manque de régularité que certains ont pu ressentir sur YouTube avec les cours et tout. Je vous avoue que c'est chaud. En plus j'ai des examens à la rentrée, je suis die. Juste avant de commencer, gros dédicace à Erol 13 de Meudon la Forêt, à Juliette B de Roy Malmaison 9-2, Ilias Arbaoui de Bordeaux, Célia de Bobigny et pour finir Ellie et Lola de Vincennes. Ensemble amis. C'est chelou. Je viens de m'apercevoir que j'ai du jaune ici, hein. C'est du jaune, hein. C'est quoi? C'est du feutre? C'est quoi ce délire? Alors ça, on va pas se mentir, on a tous connu une meuf comme ça au début d'une relation. Non, mais ce resto, c'est une tuerie, hein. Je t'avais déjà dit, c'est une tuerie. Ouais, non, mais grave, il est très sympa ce resto, moi j'aime beaucoup, hein. La déco, le service, tout est... Par contre, toi, t'as rien mangé, ni l'entrée, ni le plat, ni le dessert. Tu rigoles, arrête. Je suis calé. Ah, t'es connerie, t'as même pas goûté. Oh arrête. Tu me fais bien rire. Un macaron, tu peux le manger quand même. Non, moi je fais attention, tu vois, je suis très... Parce que moi, une cuillère de Nutella ou un truc, je finis obèse, ça y est, je suis genre... Je peux le... Ah oui, bien sûr, tiens, tiens, tiens. Ah, régale-toi. Franchement, t'es bête, tu rates, hein. Eh cousine, comment j'ai la dalle? Mais faut pas que je me fasse cramer, sinon elle va me prendre pour une batata, voilà. Ah voilà, c'est trop bon. C'est qui qui a mangé? Oh là là, la grosse vache! Mais pourquoi tu touches au grec des gens? Bah, je sais pas, moi j'ai trouvé la vache, j'ai mangé, ouais, c'est le problème! Mais je viens de ramener le grec, t'as déjà tout bouffé! Ah, genre, on peut plus manger dans sa maison! Mais fous somme cette grosse! Ouais, je fais attention, je mange pas beaucoup! Et là, tu tapes tout! Au début, je fais genre, j'ai pas un gros appétit et tout, mais le coran, je peux te manger toi aussi! Voilà, je peux te manger! Ferme la face, vas-y, arrête de m'énerver, le coran, je vais te gifler! Continue, je te mélange avec la sauce samouraï! Voilà, je vais te terminer! Fous somme cette grosse vache là! Bouffe tout, mon frère! Va te raser! Il reste des frites si tu veux, casse pas la tête, s'il te plaît! Ah, venir les gens, on peut même pas manger à ta faim. Je sais pas pourquoi il faut les meufs, ouais, genre elles mangent pas beaucoup au début et tout. Pourtant, il y en a que tu vas rencontrer, tu vois, elles sont bien portantes. Tu te dis, mais c'est pas possible qu'elle ait mangé que ça. Genre, ça, ça la cale. En fait, non. Après, ils baignent les défauts. Eh, moi je vais vous dire, il y a des potes à moi dans mes vidéos, c'est des filles, hein. Elles mangent deux fois plus que moi. Eh, on va faire ça. Dites-moi en commentaire, vous pensez à qui, vraiment. Alors, ça, c'est un tue-l'amour. Après, moi personnellement, ça me rassure quand je vois que la fille elle est un peu jalouse. Quand je vois qu'elle s'en tape, que je parle avec une autre ou pas. Je me pose des questions, je me dis, ah non, non. Ça, c'est un floco, ça. Ça, c'est une carotte forte. Alors, moi, je t'explique un truc que je déteste chez les filles, c'est la jalousie. Elle est jalouse. Charmée de la vie, et moi, jalouse. Ah, je déteste les filles jalouses. En plus, pourquoi jalouse? Je te fais confiance, tu me fais confiance. Pas de jalousie chez moi, je te fais confiance, les yeux fermés. Ouais, la confiance, c'est important. Elle, je suis pas pensée, jalousie, tout voilà, ça. Mais t'es parfaite en fait. Ah non, je suis pas un bouffon. Pourquoi jalousie? Tout qu'est-ce qu'ils font? Tout qu'est-ce qu'ils font? Où ils font? Très gros atout, petite bédard. Bon, vas-y, j'y vais, moi, je sors. Tu sors pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors pas, tu sors pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu sors pas. Eh, pousse-toi de la porte, s'il te plaît, pousse-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Genre, je peux pas sortir quand tu veux. Tu vas pas sortir. Non, tu sors pas. Pas sans moi, avec moi, pas sans moi. Tu dis, hein? Ah, tu sors pas, c'est mort, je reste devant. Mais fais pas un truc comme ça, laisse-moi sortir. Dégage, viens loin de toi, dégage. Ah, ça fait quelques jours que tu sors en cachette. Tu sors, tu me dis pas. Tu sors, tu reviens à 4 heures. Vas-y, vas-y, pousse-toi, pousse-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sors pas, tu fous le feu, toi. Ah ouais, vénère elle. Pourquoi je fais la jalouse? Non, non, c'est pas jalouse, en fait, c'est jalouse. Ça, c'est pas de la jalousie, hein. Non, non, c'est du respect. Moi, j'aime pas les trucs comme ça, je te le dis, hein. Moi, je veux du respect, il y a du respect entre nous. On est ensemble, on sort ensemble, tout ensemble. Comment ça, on est obligé de tout faire ensemble? Non, j'ai envie de prendre l'heure, je prends l'heure. Ah, c'est engagé à vie là. Tu sors pas sans moi, c'est tout. Bouge encore, pas moi la fenêtre, il finit en bas. Sur ma vie, il finit en bas. Viens ici, viens, 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 viens. Bien, tu voulais t'en faire en cachette, c'est ça? Tu voulais t'en faire en cachette? Oh ouais, non, mais merci bien. Non, parce qu'il y a jalousie mignon et il y a jalousie insupportable. Non, il y en a, c'est trop. Non, faut vous calmer, hein. Jalousie un petit peu et tout, c'est mignon. Mais... Tu me laisses pas sortir, tu crois, on est où là? Moi, je comprends pas. Pourquoi l'amour fou, ça dure jamais longtemps? Il y en a chez qui ça dure, hein. Je sais pas comment ils font. Dites-moi, wesh. T'arrives dans combien de temps? Oui, tu me manques, bébé. Mais moi aussi, je t'aime, wesh. Mais je t'aime trop. Bisous, je t'aime. Il est trop mignon. Hé hey chérie, je t'ai préparé le petit... Je peux préparer mon petit déjeuner, t'es un amour. Allez, vas-y, bon appétit, je vais me laver, j'arrive. Tu viens me faire un câlin? Non, vas-y, toi viens me faire un câlin. Non, allez, viens, s'il te plaît. Bon, à trois, c'est moi qui viens ou c'est toi? Ok, bon, vas-y, on coupe. 1, 2... Allez, viens me faire un câlin. Espèce de pauvre con, je te déteste. Qu'est-ce que tu fais encore chez moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Dégage! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Les mecs comme toi méritent pas! Qu'est-ce que j'ai fait? Méritent pas! Mais qu'est-ce que j'ai fait? M'appelle pas bébé, ça me rend pas! M'appelle pas bébé, ça me rend pas! Tu l'as jamais aimé! Tu croyais que t'allais t'en tirer comme ça, c'est ça?
qu'elle est attirée comme ça. Je te déteste. Je vais te pourrir la vie. Eh, moi je suis pas une meuf, je suis pas toi. Ouais ouais, t'es pas prêt. Tu vas où? Non mais Naël Chétain, donc la clip, vraiment. C'est quoi ça? Au début c'était l'amour fou, hein, c'est elle, elle est folle. Cousine, faut se calmer. Les meufs qui sont en petit soin avec toi, c'est la base. Que ce soit chez les meufs ou chez les mecs. Hein. Même les mecs qui sont en petit soin avec leurs meufs, eh, c'est le top ça. Non, chérie, installe-toi, ne bouge plus. C'est gentil. Voilà, installe-toi. Je t'ai préparé ta place, ton petit coussin. Je t'ai mis en face de la okay, je vais me reposer chez les commandes. Si tu veux changer, bah, comme ça, je peux changer facilement. Si tu m'appelles, je suis juste à côté. Okay. Vas-y, à tout de suite. À tout à l'heure, chérie. Elle est super sympa, purée. Que j'ai de la chance d'avoir une femme comme ça, à tes pieds. Chérie, tu veux quoi comme dessert? Fondant au chocolat ou crumble? Les deux. Ok, parfait. Je la kiffe. Elle fait tout ce que je veux, même quand je lui demande pas. Je te prépare une de ces surprises ce soir. Peur. Tu vas pas du tout t'y attendre. Ah, je suis gâté aujourd'hui. Hein. Purée, j'ai de la chance. Hein. Il me fait même des surprises. Ouais, je sais comment, y'a rien à gratter. Tu prépares quoi? Comment ça dit quoi là? Elle va préparer toi, t'as cru que j'étais un boniche moi? C'est bon, la chasseur elle est là. Le congèle il est là. Tu coupes, tu chauffes et tu manges. Passe même pas la tête, moi je te dis. Ah non, mais moi je te dis. Voilà, commence à faire la meuf. Ça va fou lui. Déjà, viens préparer à gras, j'ai la dalle. Moi je te prépare à manger. Viens, viens. Je vais te casser ta bouche, arrête de m'énerver. Ouais, j'arrête de parler avec toi, c'est bon, c'est bon. Prépare ma crève, prépare-moi à manger. Saoulé. C'est quoi, tu sais, je vais balancer quoi sur mes réseaux? Balance ta vachette. Ah ouais, tu vas faire balance ta vachette. Je suis une vachette. Mais balance ton balance poste, ta vachette. Balance ma vachette. Toute la journée, elle est là. Comme ça, on dirait une vache clochard. Moi, je vais faire balance ton vieux mec. C'est de vieux mec. Clochard, t'es trop moche. Je te l'ai. Ah, se laisse aller, maman. Eh ben, te prépare et tout. Après, ça y est, slash. Je prépare pas, je fais ce que je veux, tu vas faire quoi? Allez, meuf, moi, je vous le dis, je vais être franc avec vous. Vous faites pas avoir par un canard. Je vous jure, ça paye pas. Eh, oui, mon amour. Je le dis pas souvent, mais tu sais que t'es la plus fraîche. Ah, c'est trop touchant. Eh, voilà, t'es une bombe. Et tu me. Ah, merci, dinguerie. Toi aussi t'es le plus beau. Wow. Chérie, je t'ai ramené un bouquet de fleurs. T'as pas fait ça. Je suis trop touchée. Bon, je te dépose juste la drague, okay? Oui, pose-les là-bas. Eh, tu sais quoi, je t'ai fait une surprise. Une surprise? T'es prête? C'est quoi? Tada. Oh, trop choquée. Tu qui moi? Oh, mais non, t'évanouis pas, chérie. C'est le plus beau jour de ma vie. Bah, tu sais quoi? Fais attention à ce que tu vas dire, je suis cardiaque. T'es une meuf, t'es qu'une bouffonne. T'as plus des barres que moi. Tu crois que sinon je me. Tu crois que si t'étais pas diplômé, je me serais marié avec toi? Je t'ai pris juste parce que t'étais diplômé. Hein. T'es avocat, tu ramènes l'oseille, sinon je m'en tape. Ah non, mais je te dis. Je vais te choper un peu plus. Moi, les fleurs la dernière fois. Les fleurs, c'était avec ouais, moi. Ouais, les fleurs, ouais, t'as chialé. T'as chialé ta race. Je les ai achetées avec ton argent. Ta carte bleue. Et le parfum Tom Ford aussi. Moi, tu me dégoûtes. Tu vas rien faire. T'es claqué, t'es kex. C'est une dinguerie, comment t'es kex? Mais reviens. Et toi, tu m'aimes? Non, je t'aime pas, non. Toi aussi, tu m'aimes pas, je suis choquée. La peluche, elle a parlé. Je vous ai dit, c'était trop. C'était trop fake. Parfum, des cadeaux, plein de trucs. Et je te donne, et je te fais ci, et je te fais ça. Ça cache des trucs, ça. Il y a beaucoup de meufs comme ça, au début, elles font les petites gentilles et tout. Salam Khalti, ça va? Salam petit, ça va? Ouais, je t'ai ramené une boîte de gâteaux. Ma belle fille, s'il te plaît, ma belle fille. Ramène les gâteaux, ramène. Jamais les mains vides. Ah non, moi je veux jamais les mains vides. Ouais, je t'aime. Il est où cholestéral? Il est là-bas dans mon sa mari, chambre. Je vais voir mon mari. Salam, ça va? Ah oui, bonjour. Ouais, je viens voir cholestéral, mon mari. Ouais. Ah, ça y est. Depuis que t'as mon fils, tu viens les mains vides. Comment ça y est, tu crois que tu vas marier, tu viens tous les jours les mains vides. Mais je t'ai rien fait. Il y a un clochard. Mais ne me touche pas. Dégage, tu déteste, dégage. Il y a un clochard. Ah, vu profiter. Non, là, mon fils, ça y est, elle vient les mains vides. Chiii. Paradis. Maman, je t'ai dit, elle vient les mains vides. Normalement, tous les jours, elle vient charger. Tellement les manches. Mais c'est une sauvage, cette sorcière. Je la déteste. Elle veut que profiter sur mon dos, elle veut que je lui ramène des trucs. Espèce de clochard. Ça, au début, elles font les petites gentilles et tout. Mais après, c'est des grosses inflétards, c'est des grosses chétins. Enfin, bref, voilà la mif, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas envie de faire un gros tournage, t'as capté avec les gens, mes potos, tout ça. Non, j'ai fait un truc que avec moi, moi et moi. C'est tout, il y avait personne d'autre. N'hésite pas à liker, commenter et partager si t'as kiffé. Bonne fête, bon réveillon. 2018, c'était le fire. On a passé la barre des millions d'abonnés, ça. Franchement, c'est grâce à vous, donc je vous applaudis. Franchement, je vous applaudis. Puis voilà, je vous kiffe et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.